J'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. On est lundi 20 mai. Il est 19h47. Et ça aurait été une bonne journée. Je suis contente de ce que j'ai fait. Comme d'habitude, j'aurais aimé faire plus. Mais écoutez, je suis plutôt satisfaite. Donc ça me va. On était sur une journée un petit peu chill. Vous avez vu quelques images plus tôt. Vraiment, c'était le résumé de ma journée. Il y a une petite chose que je n'ai pas filmée à un moment. J'ai fait un article pour le blog. C'est un billet sorti, celle de juin. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de déconnecter, de pas faire grand chose. Et même le billet de blog que j'ai préparé, sincèrement préparé, un billet sorti, ça fait partie des billets de blog que je préfère faire. Donc voilà, c'était pas du tout une contrainte. Un avis, j'aurais aimé en écrire un notamment aujourd'hui, ça demande déjà un petit peu plus de faire appel à son cerveau. Voilà, un billet sorti, pour moi c'est que du fun. Mais bon, vraiment j'avais besoin de, voilà, de passer une journée comme ça vraiment très très off. Bon, j'ai dû sortir à un moment, j'avais un rendez-vous à l'extérieur, mais en dehors de ça vraiment je me suis posée, j'ai lu... J'ai vite fait un puzzle, pareil j'aurais aimé en commencer un grand parce que ça fait un moment que j'ai pas puzzlé. Mais voilà, le mini a fait son office et il était fun à faire. La semaine dernière, du lundi au dimanche, je n'ai absolument pas arrêté. Lundi dernier, donc c'était le 13 je crois, j'ai eu mon état des lieux, donc j'ai dû y aller plutôt pour faire encore un tout petit peu de ménage, les dernières finitions. Je me suis peut-être embêtée pour rien, l'état des lieux s'est super bien passé, je vais récupérer toute ma caution, donc je suis vraiment très très contente. Ensuite il y a eu le boulot, le jeudi après-midi il fallait que je me prépare pour le dimanche. Vous avez vu également des images plus tôt pour un repas en famille que je faisais, pour fêter mon emménagement, on fêtait l'anniversaire de mon frère. L'anniversaire de ma mère, et c'est vrai que le jeudi j'ai notamment été acheter quelques cadeaux, vous les avez vus également un petit peu plus tôt dans la vidéo. La BD c'était pour ma mère, les deux romans poche c'était pour ma belle-sœur. Alors son anniversaire c'est le 21 juin si je dis pas de bêtises, donc voilà, j'ai tout fait d'un coup. Certes elle a eu ses cadeaux avant, on fêtait pas tellement son anniversaire, mais bon, au moins c'était fait. Et s'il y avait eu besoin de changement comme ça, j'étais dans les clous si je devais les changer. Ce qui n'était pas le cas parce qu'elle n'avait pas ces romans là, et c'est le genre d'autrice qu'elle apprécie, et j'aime bien lui en faire découvrir de nouvelles de ce genre là. Donc autant Marie Vareille, elle en a déjà un mais elle n'a jamais lu, donc elle en aura deux, et Sophie Astrabi elle ne connaissait pas. Et pour ma mère, Radium Girl, c'est une BD que j'avais beaucoup aimée, donc je lui ai acheté. J'aurais aimé trouver quelque chose d'un peu plus léger, mais en librairie ce jour là voilà, il y avait pas ce que je voulais. Mais bon, je pense que ça lui plaira, c'était une super BD. Et pour mon frère, ça vous l'avez pas vu, mais en fait je lui ai acheté une carte pour le PlayStation Store. Donc voilà, en fait c'était un code. J'avais écrit ça sur une carte postale que je lui avais achetée. Donc voilà, ça forcément ça se montrait pas vraiment. Mais on a passé une bonne journée, j'ai aussi revu mes deux neveux. Donc le plus grand a 4 ans et demi, et le deuxième qui vient de naître, il va sur ses 6 mois quasiment. Voilà, donc bientôt. Ça grandit. Ça aurait été une semaine épuisante qui s'est terminée en famille avec une bonne journée, mais clairement, voilà, aujourd'hui moi j'avais besoin de recharger mes batteries et de ne rien faire surtout. Ce que j'ai pas filmé également, je vous avoue que j'y ai pas trop pensé. Tiens d'ailleurs, pour l'appartement, j'aurais aimé le refilmer vide. J'avais dit que je le ferais, je vous avoue que bon, je suis partie un peu vite lundi dernier, donc le 13 mai, j'ai oublié ma caméra, et une fois que je suis arrivée là-bas, je pensais filmer avec mon téléphone, mais entre le ménage à faire et j'ai un petit peu discuté avec mes anciennes voisines du coup maintenant, puisque voilà, c'est terminé pour moi, officiellement c'est le 23 mai, quand vous verrez cette vidéo ce sera terminé, et officieusement l'état des lieux est passé, enfin c'est terminé. Voilà, j'ai rendu les clés, je suis libérée de tout ça, donc clairement ça a été déjà un lundi avec pas mal de soulagement. Mais ouais, j'aurais aimé filmer mais pas eu le temps, et alors quand je suis arrivée là-bas, vraiment c'était tellement sombre. Pourtant il faisait beau hein, ce jour-là, j'ai fait, ouais, décidément je le regretterai. On a été un petit peu coupé, vous n'aviez plus de batterie. Mais je terminerai sur le fait de je ne le regretterai clairement jamais, d'autant plus que là,
Voyez comme je suis baignée de soleil. En fin de journée, je l'ai et puis là, il me réchauffait bien les pieds. Donc, je suis aux anges, limite. Je vous ai repris également, donc pour ouvrir ce nouveau vlog, mais pour vous parler un petit peu lecture, j'ai aussi des petites choses à vous montrer, mais je le ferai au fil de l'eau ces prochains jours. Puisque tout est déjà ouvert, j'ai rien à unboxer. Voilà, la semaine dernière, c'était vraiment trop compliqué pour moi pour faire du vlog. Et voilà, je pouvais pas attendre, j'ai déballé ce qu'il y avait à déballer. Il faudra aussi que je vous montre mes fameux toilettes, puisqu'ils sont plus ou moins terminés. Le plus gros est fait et je vous expliquerai quand je vous montrerai tout ça. Et donc je vous ai repris, donc pour faire là, dans cette partie de vidéo, un point lecture, peut-être que je vous montrerai quand même quelque chose. On verra, bah, selon le temps que je vais mettre à faire ce point lecture. Mais je vais pas vous parler de tout parce que mine de rien, j'ai lu un petit peu. Donc il y a quelques romans dont je peux vous parler. Mais d'abord, en fait, pareil, dans les images que j'ai mis plus tôt, j'ai lu une série d'albums. Enfin, une série d'albums. J'ai lu plusieurs albums. Je me suis fait une petite pause d'album dans l'après-midi. Et bah, je vais vous les montrer rapidement. Vous les avez vus, mais je vais vous donner mon avis très 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 succinct. Non, je pensais qu'il m'en manquait un, mais ils sont tous là. On avait notamment Tant de joli ciel de Monsieur Tan et Caroline Romanet. Je suis pas du tout rentrée dans cet album-ci, malheureusement. J'ai pas suivi l'histoire. Voilà, j'ai décroché. Bref, donc je suis. C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Les dessins sont plutôt sympathiques, mais l'histoire m'a pas vraiment procuré quelque chose. Voilà, dommage. Ensuite, j'ai aussi lu Le Loup en slip s'arrache. C'est le tome 7. Et c'est de Lupano et Itoïse. Alors, je crois que c'est Wilfried Lupano. C'est ça, Wilfried Lupano et au dessin Mayana Itoïse. Et alors nous, on le met en album, mais ça passe aussi en première BD. C'est une série, je lis les tomes dans l'ordre, donc j'ai lu tous les 7 qui sont parus. Il y en a un 8e qui est paru fin d'année dernière, donc j'attends qu'on l'achète au boulot pour me jeter dessus. J'aime beaucoup, même si celui-ci c'est pas forcément mon préféré. Alors il est drôle dans le sens où on voit notre fameux loup, bon il avait un objectif dans sa journée, mais en fait il va, bah voilà, le loup en slip s'arrache, il va totalement partir à l'aventure, quitter sa petite forêt, et surtout il va rencontrer une jolie renarde. Voilà, c'était amusant, peut-être moins que d'autres. Mais ça l'a fait, voilà, j'ai passé un bon moment. Ensuite, on a Opération Poule Mouillée de Lu Fraser et Sarah Warburton, pardon. Donc on a une jolie poulette qui a complètement peur de l'extérieur, qui passe son temps à faire du tricot. Mais un beau jour, un mouton de la ferme dans laquelle elle vit va se faire enlever. Et donc notre petite poulette en panique va, en croisant une amie, lui expliquer la situation. Et cette amie va aller chercher de l'aide, mais en attendant, ben, le mouton se fait toujours enlever. Voilà, très indécise, notre petite poulette, eh bien, va peser le pour et le contre, on va dire, paniquer, réfléchir en même temps à savoir quoi faire. Voilà, tirailler entre sa peur du danger et la peur que son ami mouton se fasse enlever. Donc, bah voilà, il va y avoir un déclic et notre poule mouillée, eh bien, va se jeter de front face à l'enleveur de mouton. Voilà, donc une petite poule qui essaye de dépasser ses peurs et c'est marrant. Voilà, c'est marrant, l'univers graphique est sympa. Voilà, c'est pas plus. Voilà, il y a des albums qui m'ont eu beaucoup plus plu, mais écoutez, je trouve qu'il fait le taf. Pour un jeune public, ça peut être pas mal. Et du même auteur, on a aussi une série que j'aime beaucoup, La Maison des Yaks, de donc toujours Lu Fraser, mais ici on a une autre illustratrice, c'est Kate Hindley. Donc on a ces petits yaks tout craquants, vraiment qu'on a envie de croquer, de faire plein de bisous. Dans la même série, on avait le plus petit yak, qui avec le recul, je pourrais dire que c'est un petit coup de cœur quand même. Et le bébé yak. Voilà, donc là c'est le troisième album. Alors c'est sympa de les lire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une petite évolution dans l'histoire. Mais c'est pas non plus hyper important. L'univers visuel m'a toujours plu.
avec cet album, c'est vraiment trop mignon. Les histoires sont vraiment très simples, mais je trouve bien exécutées. Ici, on fait face à un déménagement puisque le printemps arrive et l'endroit du coup où vivent les yaks se réchauffe et c'est pas bon pour eux. Il faut qu'ils vivent dans le froid, donc ils vont déménager dans un endroit où il fait froid. Et on a notre petite yak, donc qui est là, qui veut emmener toute sa maison parce qu'il est hors de question pour elle qu'elle laisse ses affaires, ses livres, voilà ce genre de choses. Donc on la voit embarquer dans son traîneau toutes ses affaires et aussi, du coup, mine de rien, prendre soin de sa petite sœur. Donc elle la prend aussi dans son traîneau. Sauf qu'à un moment, en fait, la petite sœur, il n'y en a plus. Voilà, elle a disparu. Donc voilà, il est question de choses importantes dans la vie. Est-ce que finalement, toutes nos possessions, c'est si important que ça? Est-ce que le plus important, c'est pas les êtres qui nous sont chers? Voilà, et que sa maison, c'est pas tout ce qu'on possède, mais c'est là où se trouvent les gens qu'on aime. Voilà, c'est un joli album avec des thématiques qu'on a déjà vues, mais il fait le taf et l'ambiance visuelle ajoute au truc. Voilà, c'est vraiment comme sur la couverture, c'est adorable. Et je lirai avec plaisir un quatrième album s'il y a un quatrième album. Voilà. Le dernier album que j'ai lu, c'est Au bois fleuri de Karen Jameson et Marc Boutavant. Marc Boutavant est assez connu. C'est un album qui parle du printemps, au moment où le printemps arrive, comment les animaux y font face, on va dire, sous le regard ici des jeunes enfants qu'on a là. On a par exemple dans les premières planches, Ouvre tes ailes, vaillante abeille, il est temps de refaire du miel, toutes ces fleurs à visiter vont te tenir bien occupée. Voilà, on a à chaque double page un nouvel animal qui va être cité avec, on va dire, comment il vit le printemps en fait, cet animal. Voilà, pareil, c'est super simple, par contre c'est hyper coloré, c'est vraiment magnifique. J'ai passé un... Ouais, c'était chouette. Après, c'est vraiment pas le genre d'album que j'aime bien. J'aime beaucoup, moi, les albums avec un ton humoristique, avec une jolie chute, à quelques exceptions près, hein, mais c'est vraiment ce qui m'impacte le plus. Celui-ci, voilà, je fais son taf. Je pense que si vous recherchez un album sur le printemps, ça peut être une bonne idée. Ensuite, je vais partir sur le livre que j'ai terminé aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un de mes objectifs du jour. Est-ce que... Je suis même pas sûre que vous me voyez. Bon, j'espère que vous me voyez. Je sais que le rendu... moi que j'ai dans le retour et pas forcément le même qui est filmé, mais bon, moi je me vois pas des masses, mais bon, au pire des cas, c'est pas bien grave si vous me voyez pas. Mais ouais, je vais partir du livre que j'ai terminé. Donc déjà, je suis très très contente de l'avoir terminé aujourd'hui, d'avoir réussi à le terminer. Donc là, c'est une liseuse que j'ai empruntée au boulot parce que c'est vrai que demain, je vois une collègue avec un autre collègue parce qu'elle s'occupe du numérique maintenant dans notre bassin de lecture. Donc quand je vais parler bassin de lecture maintenant, ce qui est plus simple pour moi, en fait les bibliothèques de mon réseau sont regroupées en bassins de lecture selon certaines localités proches. Et un bassin de lecture, c'est un regroupement de plusieurs médiathèques. Voilà, je pense que c'est plus simple que je dise ça parce qu'à chaque fois je... C'est beaucoup trop long en fait ce que je dis. Bref, on a une collègue qui reprend du coup le numérique dans notre bassin de lecture. Et c'est vrai, vu que je m'y connais un peu, elle voulait me voir avec un autre collègue pour qu'on fasse le point et pour voir le fonctionnement, pour voir certaines spécificités. Parce que dans nos médiathèques, on prête les liseuses, ça doit se faire ailleurs hein, forcément. Et aussi, le prêt de livres numériques est possible sur notre site internet. Voilà, d'ailleurs notamment, je fais les acquisitions pour tout le réseau des médiathèques, en jeunesse, enfin en ado pour le coup. Et on est sur 2 commandes par an en jeunesse ado de 30 documents cette année. Voilà, ce qui n'est pas si facile que ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui jouent le jeu de mettre à dispo leurs livres pour le prêt en médiathèque, qui est vachement encadré. Il y a des protections qui sont différentes par rapport à ce que vous pouvez acheter dans le commerce. Bref, le fonctionnement est différent. Donc voilà, il y a des petites spécificités notamment. Et donc j'ai emprunté une liseuse pour essayer de me remettre dans le bain. Parce que le fonctionnement étant particulier, il y a quand même des petites choses où c'est bien de se remettre dans le bain.
Du coup, j'en ai profité pour emprunter des livres. Et c'est vrai que vu que certains, je les ai achetés et qu'on les a pas à la bibliothèque, ça me faisait d'une pierre deux coups. Parce qu'il y en a, je vais les tester dans le but de les acheter pour la... peut-être pour une des médiathèques dans laquelle je travaille. Voilà, pour notre bassin. Et bon, là, le livre que j'ai lu rentre pas du tout là-dedans, puisque c'était le tome 2 de Love Story, Anatomy, enfin Immortality, je sais plus quel est le nom de la série. Bref, celui-ci, on vient de le recevoir dans notre première commande de l'année, donc j'aurais tellement pu attendre, mais écoutez, voilà. Et ma prochaine lecture, voilà, ce sera également un e-book emprunté au boulot. Bref, je sais pas si parler de mon travail, ça vous intéresse, mais bon, là, je trouve que c'était un service intéressant. Et peut-être que chez vous aussi, il y a ce genre de choses qui existent et vous n'êtes peut-être pas au courant, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, je vous prends pour vous parler du coup de Love Story, le tome 2, Immortality, de Dana Schwartz. C'est le second et dernier tome de la série, donc je l'ai terminé. Alors, j'ai quelques petites choses à en dire. J'ai passé un bon moment. C'était pas une mauvaise lecture. Après, comme beaucoup de tome 2, il était moins bien. C'est vrai qu'il est un poil différent. Alors, on a toujours le côté historique, évidemment, mais on a un petit peu moins de glauque, un petit peu moins de gothique également. Il y a une ambiance qu'il y avait dans le premier tome qui n'est pas dans le deuxième. Ça m'a pas dérangée, parce que le côté historique m'a beaucoup plu, donc voilà. Et puis j'aime bien dans un sens que l'autrice soit partie sur quelque chose d'un chouïa différent. Ça montre qu'elle se renouvelle. Et ça a plutôt bien fonctionné. Vraiment, j'ai l'impression que vous me voyez pas. Vraiment pas déçue qu'il n'y ait pas eu ça. Côté historique, j'ai beaucoup aimé. La médecine est un peu plus présente. J'ai trouvé de manière différente également. On sort un petit peu de l'aspect cadavre, de l'aspect autopsie, enfin, recherche sur les corps. Voilà, on sort un petit peu de cet aspect-là. Du coup, on découvre la médecine d'une manière un petit peu différente, avec plus de cas pratiques, plus de personnes réelles à soigner. Vraiment, la médecine dans les romans historiques, c'est hyper passionnant, je trouve, de voir comment les gens faisaient avant. L'histoire est toujours portée par une héroïne que j'ai trouvée vraiment très intéressante, mais c'est vrai que globalement, j'ai tout de même été moins transportée. L'histoire, alors, elle m'a plu pendant pas mal de temps, mais il y a eu quelques fausses notes, et j'avoue que je n'ai pas aimé le parti pris par rapport à Charlotte, la princesse Charlotte d'Angleterre. J'ai pas aimé ce sur quoi on partait. Voilà, ça arrive que vers le dernier quart, je pense. Mais, alors, Charlotte est là pendant très longtemps dans l'histoire, mais à un moment, ça prend un tournant qui m'a pas vraiment plu. La fin est un petit peu brusque également, avec certains personnages. La romance, si vous attendez ça dans ce récit, je suis mesurée parce que c'est pas ce qui ressort le plus. Ça m'a pas forcément importé qu'elle prenne pas de place. Hein. Franchement, c'est pas ça qui m'a intéressée dans cette histoire. Elle était déjà pas hyper développée, il me semble, dans le premier tome. Donc là, elle est encore moins développée, elle est encore moins présente. Il y a eu quelques fausses notes, mais très légères, qui m'ont un petit peu fait tiquer. Mais à deux moments, en fait, Hazel se fait des réflexions. Donc, à un moment, elle se fait une réflexion qu'elle va se refaire par la suite en ayant oublié limite ce qu'elle s'était déjà posé comme question avant. Sur deux éléments de l'histoire, il y a eu ce genre de réflexion qui allait à contre-courant entre un instant T et un autre instant T. Ça m'a un petit peu fait tiquer. C'est très léger dans l'histoire, mais je sais pas pourquoi. Mais à deux moments, du coup, je me suis dit, mais plutôt... Dans le bouquin, enfin, tu t'étais posé la question, t'avais déjà réfléchi, pourquoi là tu te reposes la question en faisant comme si tu n'y avais pas déjà réfléchi avant. Voilà, bref. Du coup c'était un peu contradictoire, donc je comprends pas pourquoi ça s'est passé à la trappe, à la relecture. Mais c'est vrai que de manière générale, ouais, j'ai été un petit peu moins embarquée tout en ayant apprécié ma lecture quand même. Je regrette peut-être la présence de certains second rôles avec une implication un petit peu légère. Bon, de manière générale, cette deuxième intrigue est un petit peu plus légère. Voilà. Il y a des choses qui sont pas poussées assez loin. Et quand certaines le sont, c'est vrai que ça arrive à la fin et ça se déroule un peu vite. Bon, bref. Il y a beaucoup, beaucoup de chouettes descriptions, de chouettes informations
qu'on apprend et qui sont super intéressantes. Je ne sais pas si ce sera au goût de tout le monde, mais c'est vrai que en termes de travail sur l'histoire en elle-même, c'est un petit peu plus maladroit que dans le tome 1, et Dieu sait que certains avaient trouvé ça déjà maladroit dans le tome 1. Donc à vous de voir si vous voulez lire la suite, mais j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant, j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai bien aimé l'héroïne, et mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a certaines facilités, certaines choses qui... Tu te dis ok, bon, pourquoi pas, mais t'y crois pas tellement. Voilà, je repense encore une fois avec ce qui arrive avec Charlotte. Bref. Mais vraiment, comment les choses se goupillent, ça me convient pas totalement. Voilà, par contre, la conclusion est plutôt sympa dans le sens où vraiment l'autrice prend le temps de nous informer du devenir de pas mal de personnages. Ce qui est beaucoup plus que dans beaucoup d'autres livres que j'ai pu lire. Donc non, la conclusion est vraiment très sympa pour le coup. Ensuite, ce que je vais faire, parce que je vais m'arrêter là pour aller peut-être commencer ma nouvelle lecture en numérique. Ouais, je pense que je vais vite fait faire ça et après j'irai manger et passer ma fin de soirée tranquillement devant la série dont j'ai oublié de vous parler. Série que j'ai commencé hier. Donc c'est un nouveau drama qui est disponible sur Disney+. Il s'appelle Link, It, Love, Kill. Avec des acteurs que je connais très bien, Ye Jin-gu et Moon Ka-young, qui est notamment l'actrice qui a joué dans True Beauty, voilà, qui est l'actrice principale, et Ye Jin-gu, lui, il a joué dans Hotel del Luna, si vous connaissez, qui est un très chouette drama, et je pense que c'est un des plus connus, The Crowned Clown aussi, qui est sur Netflix, je ne l'ai pas vu celui-ci, mais bon, bref. Voilà, c'est cet acteur-ci. Et j'ai vu deux épisodes et c'est franchement très sympa. Ça part sur un truc un petit peu comédie romantique avec un aspect... disons qu'il y a une histoire de cadavre dans l'histoire. Du coup, il y a un mix qui fonctionne bien pour le moment entre voilà, un aspect léger, du coup comédie romantique, et un aspect thriller un peu plus grave. Voilà. Disons que c'est pas foncièrement thriller, c'est pas sombre, mais c'est pas foncièrement une comédie romantique non plus. Voilà, on a un beau mix entre les deux. Et j'avoue que j'aime bien ce mélange que j'avais déjà rencontré notamment dans Strong Woman Do Bong-soon. Si vous connaissez ce drama, on se retrouve dans quelque chose d'un petit peu similaire et pour l'instant c'est chouette. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc pour mes lectures en cours, puisque forcément j'en ai une numérique et une en papier. Donc le livre en numérique que je vais commencer là, à voir si je lis que le prologue ou prologue et premier chapitre, tout dépend de la longueur du premier chapitre. Donc mon prochain livre numérique sera My Lady Jane de Cynthia Hand, Brodie Ashton et Jodie Meadows. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de relire le résumé, même si je suis très intriguée par ce livre. Donc je vais me laisser la surprise. Par contre, ce qui est écrit sur la couverture, c'est « Elle ne s'attendait pas à devenir reine, elle ne va pas le rester longtemps ». Donc oui, il y a un fond historique. Encore une fois, alors certes j'ai hésité à le lire après le livre de Dana Schwartz parce qu'on était sur un... Bah, il y avait des points communs entre les deux, mais il me reste 3 jours pour le lire. Bon, très certainement que je pourrais, enfin quand il aura disparu de ma liseuse, parce qu'une fois que l'échéance est passée, voilà, les livres sont plus lisibles, hein, il y a une durée de prêt pour les livres numériques qui sont disponibles sur notre site internet. Mais une fois que ça aura disparu, je pense que je pourrais le réemprunter juste pour le terminer, parce que ça m'étonnerait que j'arrive à le finir en 3 jours, mais on verra bien. Et bon, là je reprends le boulot demain, donc clairement j'aurai beaucoup moins de temps, mais je vais essayer. Et sinon oui, comme je l'ai dit, il disparaîtra la liseuse et je le remettrai, et je le rendrai très vite après. Ça c'est possible de rendre plutôt un document. Même si tout à l'heure j'ai testé ça avec le Dana Schwartz, ça n'a pas marché, sauf s'il y a un temps de... Il y a un temps par rapport au moment où je le rends et où vraiment il disparaît de mon compte. À voir, j'ai testé, puis je verrai bien demain. Et vu que je lis en numérique, techniquement j'emmène pas ma liseuse dans les transports, même si j'ai plus beaucoup de transports par rapport à avant. Encore une bonne chose par rapport au déménagement. Mais bon, là je pense que je vais l'emmener, parce que vu qu'il me reste 3 jours de lecture, je pense que là je vais l'emmener pour lire un maximum, pour l'avancer un maximum. Du coup, mon livre papier que j'ai commencé la semaine dernière, je vais le mettre en pause, mais c'est pas grave. En plus, il faudrait que je le rende parce qu'il est réservé derrière, mais tant pis, je vais déborder un petit peu. Et donc je suis en train de lire le tome 2 de Fable, ou Fable, de Adrienne Young. Donc c'est le second et dernier tome de la série, même s'il y a une nouvelle avec
d'autres personnages dont je n'ai absolument aucun souvenir, à moins qu'on les rencontre là. Et il y a un autre tome dans la série, mais un petit peu hors série, qui est sur les parents de l'héroïne, comment ils se sont rencontrés. Alors c'est très drôle parce que des fois je m'entête en fait sur certaines séries qui ne sont pas urgentes, comme c'est le cas pour ici, puisque j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'avais pas non plus trouvé hyper incroyable, et ça pouvait attendre en fait de lire le dernier tome. Mais je le voyais en rayon, je voyais qu'il sortait pas, donc je me suis dit allez vas-y. Et vraiment en relisant ma chronique, je me suis rendu compte que je l'avais moins aimé que selon mon souvenir. Voilà, sans que ce soit une mauvaise lecture pour autant, hein, entendons-nous bien. Mais je l'ai commencé donc du coup dans les transports la semaine dernière, et j'ai lu 75 pages, donc en faisant juste un aller. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc un petit trajet d'une heure en gros, et ça coule super bien, vraiment, vraiment très très bien, donc... J'ai rien à dire de plus, mais écoutez, je sais pas si ça part sur de bonnes bases, mais bon, bref. En tout cas, je suis contente de bientôt terminer une autre série. La nouvelle et l'autre tome, pour moi, ce sera hors série, donc pour moi, là, j'aurai terminé cette série-là avec Fable, du coup. Et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer ma dernière commande de puzzle que j'ai reçue la semaine dernière, et je l'avais passée la semaine d'avant encore. Et dans le colis, j'ai eu la surprise de voir un petit cadeau glisser dedans. Qui était pour le délai de traitement des colis en raison des jours fériés. J'ai autant trouvé ça adorable que affolant, parce que c'est pas quelque chose moi à laquelle je porte grand intérêt. Enfin, les gens ont le droit d'avoir une vie, de prendre des pauses, et je suis pas non plus à quelques jours près pour recevoir une commande. Voilà, donc mais bon, c'est adorable. Et puis, puis voilà, ça me fait encore un mini puzzle en plus. Donc c'est celui-ci qu'il y avait dans le colis, voilà. Alors faites pas attention à mes ongles, hein. Faut que j'enlève le vernis et que je refasse. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc je me suis commandé 3 nouveaux puzzles et... Alors, ça a été fait exprès oui et non, mais je trouve la finalité assez drôle, c'est qu'on a 3 puzzles du même style. Voilà, enfin, il y a une thématique commune, si vous voulez. Donc, le premier que je vous montre, c'est un 1000 pièces de New York Puzzle Company que j'ai trouvé tellement adorable et tellement dans la saison que, ceci dit, les 3, en fait, vont se rajouter à ma pile à puzzler de ce printemps. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? En fait, c'est une cuisine. Voilà, en tout cas, une partie de la cuisine avec des petits poussins qui se baignent dans un lavabo. Je crois qu'il n'y a pas plus mignon, honnêtement. On a une jolie vue de la fenêtre. Voilà, je trouvais le puzzle lumineux, avec toutes ses couleurs claires. Et voilà, donc il m'avait beaucoup plu et je suis très contente de me l'être pris. Ensuite, on a un puzzle de Caro from Woodland qui ressemble à ceci. Donc là, je pense que vous avez deviné la thématique commune aux 3 puzzles. Donc c'est une cuisine, c'est un 500 pièces. Alors, j'avais dit, je ne sais pas si certains s'en souviennent, que je ne ferai plus de puzzle de Caro. Parce que, alors il m'en reste un à faire, mais bon, il a acheté depuis très longtemps. Parce que la qualité ne me plaisait pas du tout, les pièces ne tenaient pas. Mais elle a changé la façon dont ils sont fabriqués, elle a changé de fournisseur. Ils se tiennent. Alors autant pouvoir le trimballer, c'est pas quelque chose... à laquelle j'accorde énormément d'importance. Mais déjà, s'il tenait un tout petit peu, c'était déjà pas mal, parce que rien n'est pire, je trouve, que quand on assemble un puzzle, dès qu'on veut enlever une pièce, t'as toute une partie qui s'enlève, qui tient pas. Là, c'était ça, en fait, sur les siens. C'était vraiment, vraiment pas chouette. Puis des pièces qui s'emboîtaient pas très bien, tu te rendais pas compte. Si tu les mettais, enfin, quand tu les mettais mal, il y en a qui passaient très bien, mais c'était pas du tout leur place. Ça, j'aime pas du tout non plus. Mais là, voilà, elle a changé plein de choses. Alors, par contre, j'ai quand même l'impression que la boîte est beaucoup trop grande par rapport aux pièces qu'il y a à l'intérieur. Elle me semble bien, bien légère, mais il y a du mieux. Donc, je salue, et cette illustration est magnifique. Enfin, je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les cuisines, mais il est magnifique, ce puzzle. Voilà. Il y a ces mini aussi qui m'intéressent. Donc je craquerai à un moment, voilà. Et le dernier, c'est un puzzle que je possède déjà en mini, mais le voir en 500 pièces, j'aurais adoré en 1000 pièces, hein.
Mais je pense qu'il se prête plus à un 500 pièces parce que l'illustration, même si elle est... Ah non, elle aurait pu être bien en 1000 pièces aussi. Mais bon, bref, je suis contente de l'avoir en grand. Et puis même si j'ai pas fait le mini, je le ferai un jour, c'est pas grave. Mais c'était une illustration, donc c'était un mini qui faisait partie d'une box mensuelle. Et c'était dans cette box celui pour lequel j'avais un coup de cœur. Je suis quasiment sûre, faudrait que je retrouve les images, mais en tout cas ce modèle-là est un coup de cœur, ça c'est sûr. Et bref, je vous montre cette merveille, mais voilà à quoi il ressemble. C'est une édition limitée, je ne sais pas s'il y en aura toujours au moment où cette vidéo sera postée, mais en tout cas, s'il en reste, si ça vous intéresse, sachez que c'est une édition limitée. Donc il peut très vite tomber en rupture et il ne sera plus jamais réédité. Voilà, et vraiment magnifique. Cette cuisine est de toute beauté. Et donc l'illustration est de Marion Brouillon. Voilà, mais elle est vraiment trop trop belle. J'avais adoré tout ce rose, j'avais adoré les petits gâteaux, c'est... Bref, c'est magnifique. Voilà. Et le, je crois que je vous ai fait bouger. Et le New York Puzzle Company fait partie de la collection de Laure Pemberton. Laurée Pemberton, à chaque fois je fais l'erreur. Donc voilà pour cette petite commande. J'hésite très fortement là. En ce moment, soit je me lance dans un autre 1000 pièces, soit j'en fais un que je sais je vais pas garder parce que l'illustration me plaît plus trop. Et du coup, ça me permettrait d'en mettre un nouveau de côté pour faire une petite vente. Là, j'en ai trois qui sont en face de moi. Et faire plus une box de mini que je ferai et donc que je vendrai. Des mini que je ne souhaite pas garder. Soit je me fais un petit kiff de 500 pièces avec celui-ci. Je sais pas du tout. Mais on verra. On verra. Voilà, parce que ça, je pense qu'il va pas me faire longtemps. Clairement pas. Mais bon, ce sera potentiellement pas pour cette... Quoique non, ce serait pas raisonnable. Je vais me concentrer sur My Lady Jane que je vais aller commencer maintenant. Même s'il commence à se faire tard puisque je parle et le temps passe. Bref, voilà pour ce début de nouveau vlog. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Je vous reprends, nous sommes le samedi 25 mai. Normalement, alors je suis à bout de bras parce que... Avant d'oublier, je vais vous montrer la fin de mon premier chantier, aka mes toilettes. Voilà, il est temps de tourner cette page-ci. Quoique, il y a encore une déco que j'ai... Non, deux décos que j'aimerais acheter. Mais bon, en l'état, ils sont finis. Et puis ce qui me reste, ça va demander un petit peu de recherche, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, déjà, je suis très contente. Écoutez, il faut bien que je me réjouisse de cette cuvette que je trouve absolument magnifique. Je trouve l'assise un peu petite, mais voilà, c'est pas grave, on n'y passe pas 3 heures non plus dans les toilettes. L'accroche-papier, il est comme ceci. Bon, j'ai collé ça à l'envers, mais écoutez, c'est pas bien grave. Et en haut, on a les petites étagères que j'ai posées, que je n'ai pas pu poser en les vissant. Parce que c'est du béton, je n'ai pas une perceuse suffisamment puissante pour percer dedans. Je ne sais plus si ça, je vous l'avais dit. Donc ce que j'ai fait, c'est, normalement ça se voit, c'est que j'ai mis du scotch. Donc il y a deux bouts, un de chaque côté, pareil pour celle du dessous, qui sont censés supporter chacun 4 kilos. Donc là, écoutez, ça a l'air de tenir, franchement, je vais surveiller tout ça. Mais voilà ce que ça donne, là j'aimerais trouver un panier pour mettre ça. Mon petit souci, c'est juste qu'au niveau profondeur, bah, il faut que j'en trouve un. J'ai pas trop envie que ça dépasse. Donc bon, c'est assez limité, mais on verra. Et j'aimerais mettre une affiche ici. Voilà, mettre un petit cadre, quelque chose ou autre chose. Je ne sais pas. Pour l'instant, l'idée du cadre me semble bonne, mais voilà, je ne suis pas forcément arrêtée. Mais voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Écoutez. Je trouve ça mieux qu'avant, personnellement, mais bon. Donc voilà, peut-être qu'un jour, je peaufinerai un petit peu tout ça. Je rappelle, hein, les murs sont pas très très jolis à voir. Je verrai notamment quand je ferai mon couloir, mais je pense pas avant très longtemps, hein, honnêtement. Effectivement, j'ai vu qu'il existait... Alors, c'est bien la toile de verre, il me semble qu'on appelle ça, pour protéger les murs. Mais potentiellement, il y a du papier de rénovation qui peut se coller et sur lequel on peut peindre, qui serait lisse. En fait, ce qui me dérange avec la toile de verre, c'est l'aspect que j'aime pas du tout personnellement. Et bon, pour ce chantier-là, ce sera vraiment, vraiment pas tout de suite. Celui que je ferai le plus tôt, ce sera le placard. Quoique,
c'est toujours fermé, même si je pense mettre de la déco sur les portes ce sera mieux, mais ouais, mon deuxième petit gros chantier, enfin petit gros parce que je suis encore débutante, ce sera le placard. Voilà, mais à voir, peut-être que finalement je le ferai pas pendant mes prochaines vacances. Là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est que je vais prendre une petite pause thé et je voulais vous montrer parce que, alors aujourd'hui c'est samedi chill, voilà, donc encore une fois, c'était lecture, série télé, puzzle et j'ai fait un gâteau, donc j'ai refait le banana bread de Caro Frommland qui était dans son livre sur mon automne cosy. La dernière fois, pour ceux qui avaient suivi, quand j'en avais fait un, j'avais loupé l'étape de la farine. Voilà, je vous raconte pas comment j'ai fait l'erreur, c'est un petit peu bête. Donc là, je l'ai refait et il est, mon dieu, il est excellemment bon. Bon, j'ai mon four qui fait encore un petit peu de bruit parce qu'il est en train de se refroidir. Mais je vais vous montrer mon petit gâteau. Du coup, voilà le gâteau que j'ai fait. Bon, évidemment, j'ai déjà tapé dedans. J'adore manger les gâteaux quand ils sont tièdes. Même s'il avait déjà pas mal refroidi, mais il était super bon. J'ai rajouté, ça doit se voir, oui, des pépites de chocolat. Mais voilà, il est vraiment, vraiment super bon. Donc la recette est complètement validée. Et j'en profite pour vous montrer le nouveau mug que j'ai reçu, que je suis allée chercher hier. Voilà, donc un mug fraise. C'est un mug Emma Bridgewater que j'avais déjà en ligne de mire, mais pour commander des produits de cette marque, souvent, il faut passer par des sites, enfin par le site de la marque, basé en Angleterre. Donc ça veut dire des frais de port quand on achète sur ce site-là, plus éventuellement des frais de douane maintenant. Donc voilà, j'ai jamais tenté. Et alors j'ai déjà deux tasses qui sont là-bas, Emma Bridgewater, que j'ai trouvé sur un shop français qui a pas mal de mugs de cette marque. Et la boutique vient de rentrer ce mug-ci. Donc j'avoue que je me suis un petit peu précipitée dessus. Voilà. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'informations si ça vous intéresse. En commençant à monter ce vlog, je me suis rendu compte qu'il commençait à être pas mal long. Je ne suis pas certaine que par rapport à ce qui me reste à monter, je vais réussir à couper autant que je le voudrais. Je suis pas sûre. J'ai tendance à beaucoup parler, mais ça je pense que vous le savez maintenant. Je pense que je vais devoir l'arrêter aujourd'hui. D'autant plus que demain, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je serai occupée ou non, je verrai. Voilà, il y a des plans qui sont au dernier moment. Mais de toute façon, même si je fais pas grand chose, je pense que je me ferai vraiment une véritable journée off. Et si vraiment je fais rien aussi, j'aimerais terminer le livre dont je vais vous parler maintenant. Je l'ai bien bien avancé, mais j'aimerais bien le terminer quand même ce week-end. Donc voilà, je profiterai si vraiment je fais rien de le terminer. Voilà, ce sera un vlog qui n'aura pas duré tellement de temps, mais j'aurai eu quand même pas mal de choses à dire. Et malheureusement pour moi, je ne vais encore pas une fois pouvoir aborder tout ce que j'aurais aimé aborder. C'est pas grave, ça reportera, il n'y a rien d'urgent. Mais je vous avoue que je ne sais pas comment font certains pour aller plus vite, parce que moi j'ai l'impression de pas non plus passer 10 minutes sur un bouquin. Mais pourtant j'ai l'impression de parler, de parler, de parler. Bref. Bon, il y a quand même un livre dont je vais vous parler, histoire d'avancer un petit peu dans mes avis lecture, mine de rien. Et je vous montrerai aussi, parce que j'ai commencé un puzzle, donc je vous montrerai ça. Et sûrement que je clôturerai ce vlog sur un puzzle mini, en accéléré. Un peu plus tôt dans la vidéo, vous avez vu que j'étais en train d'en faire un. Mais alors, je suis désolée, j'avais pas fait attention à mes cheveux qui cachent la plupart du truc. Après, c'est pas non plus hyper important. L'idée de ces images, c'était pas non plus de vous montrer que j'étais en train de le monter. Donc c'est pas bien grave, mais le plan est pas très joli à regarder, je vous avoue. Donc bon, je suis un petit peu désolée pour le coup, j'ai vu ça, j'ai fait bon, dommage. Mais ouais, je pense que je clôturerai ce vlog-ci sur un mini. Je ne sais pas lequel, enfin je ne sais pas lequel, mais je sais que ce sera un mini de la box de Trével de mai, il m'en reste deux. Donc j'aimerais bien les terminer d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc il y aura ça pour clôturer la vidéo, mais je vous le redirai de toute façon. Un livre dont je voulais vous parler, c'est celui que j'ai lu suite à ma pioche dans ma petite boîte, dans mon petit bocal, qui est... Ah, c'est bon, je l'avais perdu de vue. J'avais pioché lire une suite. Donc, la suite que j'ai lue, c'est Robin Page, le tome 2, Terrasser les monstres niveau intermédiaire de Annette Marie, qui avait été ma première lecture de mai. J'avais adoré le premier tome, vraiment. Un premier tome qui m'avait même davantage plu que certains tomes de Tori Dawson.
Cette série est liée à la série Toridoson. Annette Marie a créé tout un univers avec plusieurs séries qui s'entremêlent et c'est vrai que c'est mieux de les lire dans l'ordre et apparemment plus on avance dans la série plus ça devient même impératif puisque un petit peu plus loin dans les tomes il va y avoir des spoils. Voilà, donc moi ça me dérange pas parce que je les lis vraiment dans l'ordre dans lequel a été pensée la série, mais bon. Avis aux intéressés, soit vous vous fichez d'être spoilé, soit vous prenez le parti de tout lire, sachant que c'est des livres qui se lisent quand même vite. Voilà, c'est du 300 pages environ par tome, vraiment ça se lit très très bien. C'est propre au genre, hein, y a pas mal de dialogues, ça s'enchaîne bien, donc que ça ne vous fasse pas peur. Donc, ouais, j'avais préféré le tome 1, ce tome 2 m'a un petit peu laissé sur ma faim. Alors, je vais essayer de me rappeler de ce dont il était question parce que on est déjà quand même le 25 mai et je l'ai lu début mai. On retrouve Tori, pas du tout, Robin Page dans la suite de ses aventures qui a notamment conclu un pacte avec un démon, j'en dis pas plus. Mais voilà, elle fait équipe avec un démon dans le but de mince. Je crois qu'elle est censée retrouver un livre. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, ils ont une mission commune et à la fin, quand leur mission sera remplie, elle va libérer le démon avec lequel elle fait équipe. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça, mais j'essaye de poser un petit peu un contexte. Cette équipe-là, dans le premier tome, il y avait pas mal d'électricité et voir ce duo faire connaissance, essayer de faire équipe, c'était assez marrant. Dans le tome 2, on retrouve un petit peu cet esprit-là, mais de manière un petit peu moins... présent. J'ai pas de problème avec le fait que les étincelles volent moins, mais j'ai trouvé leur alchimie un petit peu plus timide, leur duo un petit peu plus timide. J'ai également trouvé l'intrigue un petit peu moins prenante. On retrouve encore dans cette suite quelque chose qui a eu du mal à m'accrocher. Je panique pas plus que ça parce que ça m'arrive souvent. Mais voilà, l'intrigue de ce deuxième tome m'a pas non plus hyper passionnée, honnêtement. Finalement, j'ai pas grand chose à en dire, à part que je l'ai trouvé moins prenant, moins drôle. Voilà, ça l'a moins fait. Honnêtement, je crois que j'ai passé plusieurs jours dessus, alors que d'habitude, ça, je les bouffe, mais ça m'empêchera pas de lire le tome 3. Voilà. Bon, finalement, je vais vous parler d'un autre livre. Ensuite, j'ai lu, je vais aller très très vite, parce que vraiment, je lui ai pas mis une bonne note du tout. Je vous l'avais montré, que j'allais lire à un moment, parce que j'hésitais, oui, pour la suite. Mais j'ai finalement lu cette suite-là, après Robin Page, qui était Skyhunter, le tome 2, Steel Striker, l'ultime rébellion de Marie-Lou. C'était une grosse grosse déception. C'était terriblement bateau comme intrigue. On retrouve tout ce que j'avais reproché dans le tome 1, notamment cette intrigue bateau. Vraiment, on revient 10 ans en arrière, c'est le genre d'intrigue qu'on lisait déjà. Donc ce tome 2, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a zéro prise de risque. Je suis désolée, hein, mais je grossis vraiment les choses. Pour vous expliquer à quel point, pour vous faire comprendre plutôt à quel point j'ai été terriblement déçue. Évidemment qu'il y a un travail qui est fait, il y a des idées, ça je peux pas le reprocher à l'autrice. Mais ce qu'elle en fait en fait de ces idées, c'est d'un classicisme mortel. Vraiment, l'intrigue qu'elle dépeint, elle a pris zéro risque. Vraiment, zéro risque. C'est transparent, c'est attendu, il n'y a pas de suspense, les personnages sont... pas du tout mis en valeur. Les personnages secondaires, n'en parlons même pas. Alors je lui ai mis la moyenne, mais clairement, il méritait pas tant. J'ai pas voulu être si méchante que ça, parce que j'ai lu le livre de bout en bout. Je reste quand même séduite par certaines idées, par le renouvellement qui est fait à la fin du premier tome, même si je m'y étais attendue, c'est vraiment pas surprenant ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Il y a un truc... Mais clairement, l'autrice, pour moi, là, le travail qu'elle a fait, moi, il m'a pas du tout plu. Il m'a pas du tout convaincue. J'avais déjà moyennement aimé le premier tome, mais alors là, la pilule est vraiment, vraiment pas passée. Donc oui, je suis restée neutre, j'ai mis 10, la moyenne. Mais si je devais être vraiment honnête, je pense qu'il en méritait 6, 7 ou 8. Voilà, sur 20. Donc voilà, un avis très très succinct, mais là pareil, j'ai pas tellement envie de m'attarder là-dessus. Love Story, je vous en ai parlé. Alors il y a des graphiques que j'aurais pu aborder avec vous, mais je vais laisser tomber ça pour le moment. Et pour terminer sur mes lectures, je vais juste faire un petit point sur ma lecture en cours, qui était donc My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. My Lady Jane,
C'est le premier tome d'une série, alors pas d'une vraie série dans le sens premier dans lequel on l'entend, puisque c'est une série de romans compagnons, avec dans chaque tome une Jane connue qui est mise en avant. La première, celle qu'on rencontre dans My Lady Jane, moi je suis pas du tout calée, bon je suis déjà pas calée en histoire de France, mais alors en histoire d'Angleterre me demandez pas. Le tome 2 s'est inspiré par exemple de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, et le tome 3 c'est sur Calamity Jane. Voilà, et elles ont écrit une autre série avec des maris. Voilà, donc en fait il n'y a pas besoin de lire les tomes dans l'ordre j'imagine. Et donc le premier tome c'est sur Jane qui était la cousine de Edward qui a été roi d'Angleterre. D'un Edward, je sais pas lequel. Voilà, bon sur ça vraiment je vous dis, moi je suis pas très calée, mais bon, peut-être que ça parlera à certains. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre finalement quand j'ai commencé ce livre. Quand j'ai découvert l'aspect surnaturel, je me suis dit, ok, attendons de voir, on verra bien. Et alors, je trouve ça un petit peu longué. C'est un bouquin, je ne savais pas, il fait quasiment 600 pages, c'est un peu long quand même. J'ai dépassé la moitié, je pense que là il doit me rester un peu moins de 200 pages, mais je trouve ça quand même un petit peu longué. Mais je trouve ça assez rafraîchissant. Donc l'aspect fantastique, est-ce que c'est noté dans la quatrième de couverture? Oui, c'est noté dans le résumé, donc je vais vous le dire. On a des personnages qui ont certaines capacités, celle de se transformer en animal, ça peut être n'importe quel animal. Et ces personnes-là sont stigmatisées, sont haïes par une bonne partie de la population. Alors je suis assez partagée, parce que autant je conçois que c'est un élément qui a son importance, mais dans l'histoire, en tout cas moi, ce que j'assimile par rapport à ces personnages qui peuvent se transformer en animaux, oui, ça a son importance, mais la manière dont c'est traité dans l'histoire, pas tellement finalement, même s'il y a deux parties, enfin en tout cas je suis dans la deuxième partie, on aura peut-être une troisième. Dans la deuxième partie, on a des nouveautés par rapport à ces Edians, mais peut-être que en fait, par rapport à ce statut-là, ce qui se passe, ça reste assez logique finalement. C'est peut-être pour ça que pour moi, cet élément-là ne revêt pas tellement d'importance. Je pense. À voir quand j'aurai terminé, peut-être que j'aurai encore des surprises. Mais ouais, cet élément apporte quand même un petit côté rafraîchissant. Et je vous avoue que... alors on commence avec le point de vue d'Edward. Et c'est vrai que la première fois qu'on fait sa connaissance, je me suis dit, lui va pas me plaire. Mais c'est quasiment son histoire qui est la plus intéressante. Avec les deux autres, disons qu'il y a une romance dans l'air, donc on est plus orienté vers leur relation que vers le reste. C'est pas déplaisant, mais même si je lis avec un certain plaisir, bon déjà il me manque un truc, hein, je suis pas non plus hyper accrochée à l'histoire, il manque un certain effet de suspense aussi, même si des fois on l'a avec certaines fins de chapitre, mais c'est pas non plus extraordinaire. Alors dit comme ça, ça sonne comme un gros reproche, mais si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que c'est pas forcément quelque chose sur laquelle je m'attarde foncièrement, le manque d'originalité, quand c'est pas forcément extraordinaire, parce que je lis quand même, voilà, je suis dans l'histoire, ça me plaît, mais il y a juste un petit mais en fait, ça reste bien composé. Mais il y a un petit mais. Du coup voilà pour ce point lecture. Ensuite le puzzle que je suis en train de faire. Donc c'est ce hibou là. Voilà. Qui ressemble à ça. Je vous montre ça. Donc je l'ai commencé en début d'après-midi. J'y ai passé un peu moins de 3 heures puisque je me suis fait 4 épisodes de Grey's Anatomy. Donc les épisodes c'est à peu près 40 minutes. Donc voilà, on est à peu près sur... On est sur un peu moins de 3 heures finalement. Je vous montre mon avancée et je vous avoue quand même qu'il est hyper addictif. Je pensais qu'il serait plus compliqué que ça. Mais en fait, je reprends mon petit modèle, il y a plein de zones hyper identifiables. Les boutiques, les différents immeubles qui sont accolés, différentes maisons qui sont accolées, elles ont des couleurs différentes. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc je pense que je devrais le terminer assez rapidement. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, puisqu'il y a quand même au début une bonne heure qui a été passée à trier les pièces, donc dans les boîtes où j'ai dégagé notamment les bords. Donc là le bord est intégralement fait, mais on voit qu'il y a pas mal de boutiques et des débuts de façade là qui ont commencé à pointer le bout de leur nez. Mais ouais, c'est vraiment vraiment pas mal et j'ai failli ne pas m'arrêter, mais je vais retourner un petit peu lire et avancer dans My Lady Jane. Les boîtes du coup je m'en sers comme ceci.
Et au bout d'un moment, vous voyez, je peux vraiment les... Quand je les ai toutes retournées, j'ai une bonne visibilité sur tout ça, sachant que j'utilise encore hein, mes petites boîtes en plastique en forme de pièces de puzzle. Mais elles sont pas si pratiques que ça au final, surtout quand on a une grosse quantité de pièces au début. Voilà, là par exemple, pour les retrier, c'est un peu plus compliqué. Donc bon, finalement, moi, ce moyen-là, en pratiquant, je l'ai trouvé beaucoup plus simple. Voilà. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai terminé, mais déjà là, c'est vraiment pas mal. Du coup, les mini, ils sont là. Alors, j'ai fait celui-ci. Déjà. Ah, l'autofocus ne marche pas. Là, c'est bon. Qui doit être? Il est là. Hop, attention. Donc, il est là. Il est vraiment très très beau. Et donc, en début de vidéo, je vous ai montré que je faisais celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire le focus. Voilà, et donc il est là. Alors, petite déception, et c'est la première fois que ça m'arrive, mais les pièces, j'en avais deux qui étaient abîmées. C'est vraiment pas moi qui l'ai fait, elle l'était déjà. Et l'autre, je ne sais plus où c'est, mais il y en a une autre qui était un poil abîmée. Bon, je la retrouve pas, mais peut-être que je l'ai rêvé, écoutez. Ah, c'est là. Là, on voit que c'est un petit peu tordu. Voilà, du coup, il me reste ces deux-là. Et je sais pas, celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je vais peut-être faire celui-là en accéléré. Ou celui-ci. Du coup, vous verrez, puisque là, je ne me suis pas décidée, hein, je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai, je pense, pas avant lundi. Et ensuite, je terminerai de monter le vlog. Voilà, donc un vlog un petit peu où il y aura eu pas mal de choses quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'introduction, qui est quand même assez longue. Mais j'avoue que j'ai bien aimé monter ce début de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve normalement, oui, ça je vous en ai pas parlé. J'ai la vidéo des sorties de juin à faire, mais je me tâte encore, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je la publie, soit en vidéo bonus le dimanche qui suit la publication de ce vlog-ci, soit le jeudi comme je prévois mes publications de vidéos maintenant. Mais ça voudrait dire que la vidéo serait publiée, le mois aura déjà bien commencé. Voilà, donc je ne sais pas, vraiment je sais pas comment je vais m'organiser, tout en sachant que j'hésite encore à faire cette vidéo-ci, puisque je me suis rendu compte que les titres que j'avais relevés, c'est des titres que tout le monde déjà veut, donc vous allez les avoir vus partout, donc en fait ça va pas être intéressant pour vous, honnêtement je pense pas. Je verrai, voilà, peut-être que je la ferai, mais pour l'instant je n'arrive pas à me décider. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Je vous souhaite de belles lectures, de belles journées, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.